Et comme promis en titre de ce journal il y a quelques minutes, on termine maintenant cette édition avec un mot de culture et à propos de l'hybride menacé de fermeture. La salle de cinéma indépendante lilloise risque en effet la fermeture administrative si des travaux concernant l'insonorisation ne sont pas faits rapidement. Cette menace vient en fait du voisinage qui se plaignait régulièrement durant les derniers mois de l'excès de bruit dans la salle lors de soirées ciné-concerts. L'association Hybride a donc depuis le mois d'octobre cessé ce type de soirée et le cinéma a récemment lancé une pétition et un appel aux dons pour financer les travaux à hauteur de 50 à 100 000 euros pour insonoriser le tout. Des appels aux dons notamment auprès des pouvoirs publics comme la ville de Lille et le conseil régional qui ont accepté de financer une partie des travaux. Hier, une réunion publique d'information était organisée sur place et si vous souhaitez également aider ce lieu culturel lillois, rendez-vous sur internet libride.org pour un don. Explication avec Antoine Magnier, président de l'association. Ce soir, c'est une réunion publique, en fait, pour échanger avec les adhérents de l'association et le public qui a été informé il y a une semaine des soucis qu'on a aujourd'hui, qui sont un problème d'insonorisation de la salle et donc la nécessité de trouver des fonds importants pour insonoriser la salle. On fait un appel à dons aujourd'hui pour trouver en fait le financement qui nous permettra de faire ces travaux. Donc on a 10 000 adhérents, on se dit que si chaque adhérent met 10 euros, voilà, c'est bouclé, on n'a même pas besoin de faire de demande de subvention et les travaux sont directement.